prochaine design et dimanche. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour 18. Et oui, 18. Comme ça. De mon calendrier de l'Avent que je fais avec mes deux copines d'amour, Mélanie de la chaîne Diamant Folie et Caroline de la chaîne Carly Angel. Numéro 18. Aujourd'hui, c'est un nombre pair. Donc, c'est le cadeau de Mélanie. Et c'est ce cadeau-là. Avec un Buffy, un petit collant de Buffy. Ça fait du bruit. J'ai hâte de voir ce qui se cache parce que c'est quand même gros puis on veut que plusieurs bois. J'ai vraiment hâte. J'ai une idée de ce que ça pourrait être. Mais en même temps, je suis vraiment comme pas sûre. Puis Mélanie, c'est une cachotière comme Caroline. Mais les deux coquines. Alors, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui se cache là. Mais avant, on va aller voir l'indice de Mélanie. Alors, on va ouvrir l'enveloppe. Et c'est numéro 18. J'écoute bien tes vidéos. En voici une preuve. J'écoute bien tes vidéos. En voici une preuve. Parce que je dis tellement plein de choses dans mes vidéos. Bonne question. Parce que quand je brasse comme ça, moi, ça sonne, je trouve que ça sonne casse-tête. Puis, il y a comme plusieurs boîtes, mais ça se fait soin. Pas ça, pas en tout. Ça pourrait être quoi d'autre d'abord? J'écoute bien tes vidéos. J'écoute bien tes vidéos. Ah, je sais pas. Je sais pas. C'est... Très bon indice, Mélanie. Très bon indice, je n'arrive pas à trouver. Je sais pas c'est quoi. Alors, on va ouvrir les cadeaux. Et les cadeaux cette année sont une gracieuseté des filles de Mélanie. Je sais que j'ai déjà dit, mais j'aime ça. Laura parler. Bon. Là. J'ai la main là, je touche une boîte. C'est une boîte en plastique. Ouh! Effectivement, c'est une boîte avec c'est une boîte pour organiser mes fils de pour faire mes projets. Oui, c'est vrai. Oui, Mélanie, t'écoute bien parce que moi, je n'utilise pas les cartonnettes. Avec des trous, parce que je trouve que le fil s'en met tout le temps. Puis moi, j'aime avoir des boîtes. Et quand je dis que j'enfile mes projets sur des bobinettes, ben mes bobinettes, c'est ça ici. C'est en plastique. Il y en a aussi en carton de la marque DMC, mais moi, je trouve que ça en plastique, sont plus. Je les aime mieux parce qu'ils t'offrent plus longtemps. On s'entend que c'est dur de détruire ce genre de projet-là. Alors, j'ai une boîte. J'ai jamais utilisé ceux-là. Ils sont toutes petites, ils sont fun. Ça va être le fun pour des petits projets. Même un gros, à la limite, ça dépend du nombre de couleurs. Mais c'est une boîte. Les grandeurs dessus? Non. C'est une boîte avec 6 compartiments qui sont ajustables. On peut bouger les séparations à l'intérieur. Ça, c'est vraiment le fun parce que on peut, en fin de compte, c'est une boîte pour ranger. C'est pas une boîte nécessairement pour serrer des fils. Ça peut serrer n'importe quoi. Alors, je pourrais décider d'enlever puis de m'en servir pour mettre d'autres sortes d'articles finalement. Et elle m'a mis dedans combien de bobinettes? 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14, 16. 16 bobinettes quand même. Et ça se ferme avec un beau petit loquet. Bien simple comme ça. C'est bien simple, mais il faut que j'arrive à le faire. Et voilà. Tout simplement. Génial! Mais là, tu m'en as-tu acheté 3? C'est ça que j'ai compté? Puis d'après moi, les bobinettes, elle les a rajoutées en plus. Je pense pas que ça vient avec. Un autre.
En mode de passer 3? En mode de prix 4! Le pire, là, Mélanie, là, c'est que j'allais aller m'en acheter d'autres. Puis là, ben, tu viens de m'éviter d'aller avoir acheté d'autres produits. Donc, je vais pouvoir tout de suite préparer au moins 4 projets faciles là-dedans. Puis ça dépend, parce que si c'est des petits modèles, je pourrais peut-être même en mettre plus qu'un par modèle. Puis moi, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que sur le devant, moi, j'ai les pitoches, hein, les machines où que tu peux écrire, puis il y a une petite étiquette collante qui sort. Et je m'en viens marquer c'est quoi le projet que j'ai devant mes cases. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir et de prendre juste la bonne boîte. Mais Mélanie, je suis fière de toi. Tu m'écoutes bien. Bravo! Parce que je m'en suis acheté des sur Amazon. Ben simple. Une boîte ben, pas une boîte, là, mais des trifiles en plastique. Je me suis dit que j'allais l'essayer pour voir si c'était juste ça en carton que j'aimais pas, puis pas ça en plastique. Alors, je les ai essayés. Je l'ai pour... je pense que c'est mon projet de Fish Pond Girl, en fait. Si vous l'avez vu, ça fait un petit bout que je n'y ai pas touché, mais c'est la fille avec des poissons. C'est comme si on la voyait d'en dessous de l'eau, puis qu'on voyait les poissons. Puis je les ai mis sur des trifiles en plastique et je passe mon temps à tirer les fils parce que les loupes se défont. Ça m'énerve. Je suis toujours en train de démêler. Alors qu'avec ces boîtes-là, je vais juste prendre ce que j'ai besoin. Mais on a chacun notre manière de travailler, puis c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est intéressant. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, il faut juste être à l'aise. Et moi, c'est sûr qu'avec ça, moi, je suis hyper à l'aise pour faire plein de beaux projets. Ah! Vraiment, Mélanie, là, t'es un amour. Et moi qui pensais que c'était des casse-têtes. J'étais en train de me dire, j'ai-tu parlé de casse-tête? Parce que oui, j'aime ça faire des casse-têtes. Mais je fais plus des casse-têtes en temps des fêtes. Moi, dans ma famille, c'est la période, dans le temps qu'on avait des longs congés, ben, on partait des casse-têtes. Aujourd'hui, j'en fais encore avec mon conjoint. J'en fais plus avec ma mère, mais j'en fais avec mon conjoint. Mon petit aime ça, mais c'est sûr que des puzzles de ou des casse-têtes de 1000 morceaux, c'est un peu trop gros pour lui, tu sais, à 7 ans. Mais il arrive quand même à faire des casse-têtes de 100, 200 faciles morceaux. Il a toujours aimé ça. Mais là, c'est pas des casse-têtes, c'est des boîtes de rangement! Yeah! Alors, je vous invite à aller voir les vidéos de mes amies Mélanie et Caroline pour voir qu'est-ce qu'elles ont reçu aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si j'ai reçu Mélanie, donc c'est Caroline qui me déballe et Mélanie déballe Caroline. Alors, rendez-vous demain pour un cadeau de Caroline et voir qu'est-ce qu'elle m'a offert. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. N'oubliez pas d'aller mettre des pouces, d'aller commenter. Puis, on se revoit demain pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!